Seigneur, nous nous remettons maintenant entre tes mains, Seigneur. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est voir ta gloire. Que seul ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, seul le nom de Yeshua, seul le nom de Jésus, seul le nom de celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés au prix de son sang, c'est seul ce nom, Seigneur, que nous voulons voir, que nous voulons élever. Seigneur, que tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la chair, se taise au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas parler par mes paroles, Seigneur, mais je veux me laisser, Seigneur, conduire par ton esprit, Seigneur, parce que c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui édifie, c'est ta parole qui restaure, c'est ta parole qui relève, c'est ta parole, Seigneur, qui change les cœurs. Et nous voulons vraiment avoir un cœur ouvert, moi la première, Seigneur, pour que tu changes nos cœurs, pour que tu changes mon cœur, que tu changes nos fausses conceptions de qui tu es, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. À toi seul soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Désolée, je n'ai pas trop l'habitude avec ce micro. Pas très à l'aise. Bon, tant pis. On va faire avec. Comment ? Non, bon, ça va aller. Je vais m'adapter. Alors, on va lire tout d'abord trois passages. Je mets mes lunettes. Oups, ça va être dur avec ça. Ok. Donc, le premier en Romains 8, 17. Donc en Romains 8, 17. Donc moi, je pense que c'est dans la version seconde, celui que j'ai. Donc, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mais la partie qui nous intéresse, donc, c'est nous sommes héritiers si nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Christ, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Et ensuite, on va lire en Galates, Galates au chapitre 4. Galates au chapitre 4. Alors, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien, en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc je répète, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, donc sous le pouvoir des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Et pour finir, en 1 Corinthiens 13, alors, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » C'est ce à quoi nous sommes appelés, à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Alors, vous allez vous demander pourquoi ces passages. Mais en fait, ce serait pour un peu retracer, en quelque sorte, retracer en quelque sorte mon parcours dans ma relation avec le Seigneur, en fait. Donc moi, je me suis convertie, j'étais relativement jeune, j'avais 18 ans et quelques. Voilà, et mes premières années de conversion, je voyais le Seigneur, bon, c'est mon sauveur surtout. Il n'était pas encore vraiment le Seigneur de ma vie, mais il était le Seigneur. Ma vision était restreinte et je le voyais comme mon frère, le frère aîné, hein, selon ce qui est écrit en Romains 8:29, que le fils fut le premier-né parmi plusieurs frères. Je dis, waouh, ça c'est extraordinaire, moi j'ai pas de frère. Le Seigneur est mon frère, c'est lui le frère aîné. Et j'avançais progressivement dans ma marche avec le Seigneur, mais ma conception de Dieu était quand même toujours très limitée. Je le voyais toujours comme un Dieu finalement relativement lointain. Et cette communion à laquelle il nous appelle, je ne la connaissais pas vraiment. Je pouvais chanter, prier de temps en temps, mais une communion intime, ce à quoi le Seigneur nous appelle, je ne le connaissais pas à cette époque. Mais le Seigneur, il se charge toujours de, quand il veut, quand il nous veut près de son cœur, quand il nous veut près de son cœur, il se sert de toutes les circonstances. Et toutes les circonstances, souvent les circonstances plutôt douloureuses. Excusez-moi, j'arrête pas de bouger, je suis désolée, ça va pour la caméra.
Ok, d'accord. Donc, il se sert souvent des circonstances douloureuses. Moi, à cette époque, je m'étais dit, ben voilà, je vais bien, tout va bien, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est écrit. Donc, voilà, c'est ça, c'est je vais bien, tout va bien, je faisais de l'évangélisation, j'allais à toutes les études bibliques, j'allais à l'église, tout semblait aller pour le mieux. Tout semblait aller pour le mieux. J'étais dans une période de grâce, je pourrais ainsi dire. Ça a duré 1 an, 2 ans. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé à se complexifier. Et en fait, petit à petit, mon cœur, il s'est petit à petit éloigné du Seigneur. Et je suis un peu retournée un peu dans le monde. J'étais à moitié un peu à l'église, un peu dans le monde, un peu hésitante. Et puis, parfois, plus dans le monde qu'avec le Seigneur. Finalement, bon, je me suis mariée. Et là, c'est dans le mariage, avec les enfants, avec la naissance des enfants, que finalement, ben, les choses anciennes sont passées. Je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas du tout passées. Et que tout est revenu comme un boomerang. Et bon, je pense pour ceux qui sont parents, vous avez peut-être expérimenté cela. C'est qu'en fait, nos propres enfants nous renvoient à tout notre passé qui n'est pas résolu, qui est là et qui parle, et puis ça peut faire des dégâts. Voilà, donc pour ma part, ça a fait quand même des dégâts. J'étais pas toujours très, très, très agréable avec les enfants, tout le temps stressée, tout le temps. C'était pas toujours facile à vivre. Mais le Seigneur, dans toutes les circonstances, il se sert. Enfin, il agit dans toutes nos circonstances. Puis c'est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et même quand notre désir n'est pas si ardent, lui, c'est lui qui nous tire. C'est lui qui nous appelle. Parce que c'est lui qui veut avoir cette communion avec nous. C'est lui qui veut ce cœur à cœur, bien plus que nous. C'est lui qui sème cette graine dans notre cœur pour qu'on ait cette soif de le chercher. Et dans les épreuves, dans les douleurs, notamment dans les désillusions avec le père de mes enfants, le Seigneur s'est servi de ça pour m'attirer à lui. Parce que j'avais placé le bonheur conjugal au-dessus de Dieu. Je n'en étais peut-être pas forcément consciente, mais c'est ce qui était le cas. Et donc, les idoles, elles finissent toujours par tomber. Et quand elles tombent, en général, elles nous font très mal. Les idoles ne nous font jamais de bien. Donc ça nous déchire. Mais ce déchirement, le Seigneur l'a utilisé parce qu'il voulait que tout ce qui freine, tous les obstacles, tout ce qui est sur mon chemin et qui m'empêche de le suivre, soit ôté. Et je me souviens d'une fois où je priais. Je demandais des choses au Seigneur. Je voulais toujours qu'il change l'autre. Parce que c'est souvent ça. Hein. Tu as vu comment lui fait ça, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Des fois, la liste, elle est très longue. Et puis, des fois, elle est plus ou moins justifiée. Plus ou moins. Mais le Seigneur, je me souviens d'une fois, mais c'était clair, pardon. Le Seigneur m'a dit, toi, suis-moi. C'était pas du tout la question. Il n'a pas répondu à ma question. C'est question sans réponse. Mais il m'a dit, toi, suis-moi. Quelles que soient tes circonstances, quelles que soient tes souffrances, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi que ceci, toi, suis-moi. Parce que c'est ça que je veux, que toi, tu me suives. Que mon cœur soit, que ton cœur soit entier pour moi. Mais il était encore bien partagé parce que j'étais tellement attachée à cette personne que mon cœur était... Il n'était pas entier pour le Seigneur. Et donc, il a fallu encore beaucoup, beaucoup de déchirements, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances pour que je lâche prise et que je mette le Seigneur à la première place. Le Seigneur à la première place parce que notre Dieu, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Ce n'est pas la jalousie des êtres humains. Parce que la jalousie de l'homme avec un grand H, ou de la femme, elle est souvent meurtrière. C'est une jalousie qui détruit. Mais la jalousie de Dieu, ce n'est pas la jalousie de l'homme. La jalousie de Dieu, c'est parce qu'il nous aime tellement et qu'il sait que tout ce qui fait obstacle, tout ce qui a pris sa place dans notre cœur va de toute façon nous détruire, va se retourner contre nous et va nous blesser, nous meurtrir.
et va nous empêcher de le connaître, lui, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et dans cette marche avec le Seigneur, petit à petit, j'ai réalisé que ben finalement, je lisais les évangiles. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup lu les évangiles, notamment l'évangile de Jean, le Nouveau Testament. Mais que Dieu était un père, c'était, je ne le voyais pas. Pourtant, il y en a. C'est mentionné une centaine de fois que Dieu est père. Mais moi, je le lisais, mais c'était absent. Je ne voyais pas, ce n'était pas écrit pour moi. Ah bon, Dieu est un père, comment ça c'est ? C'était un non-sens. Donc pour un petit témoignage, donc moi je ne connais pas mon père, donc je projetais. Pour moi, mon père c'était un père inconnu, je suis d'un père connu. Donc Dieu est un père, ça ne peut pas être, ça ne peut pas s'associer. Et je projetais, je pense que c'est ce que nous faisons tous, nous projetons au travers de nos expériences avec nos parents, nous projetons tout cela sur le Seigneur. Et pour moi, Dieu ne pouvait pas être un père. C'était impensable, c'était impossible. Puisque le père, pour moi, c'était un absent. J'en avais eu un de substitution, mais ça n'avait pas suffi. C'était le père biologique, et comme il avait été absent, et ben pour moi, Dieu ne pouvait pas être un père. Mais petit à petit, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur et à ouvrir mon intelligence. Parce que mon intelligence était bouchée, même mes yeux étaient... J'étais aveugle, je ne voyais pas. C'était écrit, mais je ne le voyais pas, je l'entendais. Mais ça ne rentrait pas en moi. Mais petit à petit, le Seigneur a fait cette œuvre. Petit à petit, il m'a commencé à me faire comprendre qu'il est un père. Alors, il est un père. Bon, un père. Mais un père, c'est encore loin, un père. Mon père, ok, c'est mon père. Ok, voilà, lui là-bas, c'est mon père. Mais il n'y a rien, c'est mon père, mais il n'y a rien entre nous. C'est juste mon père. Voilà, ma relation avec ma compréhension du père, c'était ça. Mon père, oui, d'accord, mon père. Mais je n'avais pas l'intimité avec mon père. Et pourtant, la parole, elle dit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes les enfants de notre père. Mais bon, moi c'était Jésus, pour moi Jésus c'est Jésus, que Jésus est l'incarnation du Père, c'était tellement Jésus, voilà c'est tout, ça s'arrête, c'est Jésus. Mais toujours au travers des difficultés de la vie, le Seigneur travaille nos cœurs, utilise différentes personnes. Là je me souviens entre autres c'était un CD, je sais pas, le titre c'était Fatherless, là j'ai une génération sans Père. Ben oui, il y a tellement de personnes maintenant, de jeunes ou de moins jeunes, je ne fais pas partie des jeunes, qui sommes des générations sans père. Et on sait tous les dégâts que ça occasionne d'être une génération sans père, parce que bon, ça c'est la vision traditionnelle du père, certainement. Les féministes ne seraient pas d'accord avec ça, bon, peu importe. Mais c'est le père qui nous donne notre identité. C'est le père qui nous aide qui aide à la socialisation. C'est le père qui donne la confiance en soi. C'est le père qui nous donne notre identité. Et donc, s'il est absent, s'il est défaillant, s'il est présent, mais pas présent dans les gestes, dans l'affection, dans la valorisation... Il y a beaucoup de pères qui peuvent être présents, mais si eux-mêmes n'ont pas reçu cet amour, ils ne savent pas comment lui communiquer. Et ça, c'est un déchirement dans le cœur. Et on sait que beaucoup de jeunes, que dans la délinquance juvénile, beaucoup sont des enfants qui ont un père défaillant, ou un père absent, ou un père parti, un père qui n'a pas assumé. Un père qui n'a pas assumé ses responsabilités. Alors ici, ce n'est pas pour taper sur le dos des pères, des papas, pas du tout. C'est quelque chose de très dur. Je ne suis pas un homme, je ne sais pas ce que c'est vraiment d'être un père. Mais je sais que c'est une charge très lourde qui est sur les épaules des pères, des jeunes hommes, des futurs pères. C'est quelque chose, parce que le père, c'est l'image de Dieu. Et souvent, nous, parfois, les femmes, peut-être on a une telle attente vis-à-vis de l'homme, on lui fait peser un tel poids que ça l'étouffe. Et
Il a besoin de prendre un peu d'air. Parce que on l'étouffe ou on l'accuse. Et je pense qu'il faut que nous, on fasse attention, les mamans, à toutes les paroles qui peuvent sortir de notre bouche sur le père de nos enfants. Parce que c'est destructeur, ça détruit l'identité de l'enfant. Si on dénigre le père de nos enfants, ils vont mal se construire. Il faut qu'on soit prudente. Moi, je sais que je n'ai pas été souvent prudente. C'est pour ça que je me permets de le souligner. C'est que dans la colère, on peut dire des choses qui sont violentes et qui ont des répercussions très, très, très négligeables. Alors, je vais peut-être revenir à ma propre histoire. Je reviens toujours sur ma relation avec Dieu qui est un père. Même si petit à petit, je commençais à comprendre, à chanter des chants. « Père, je t'adore », je trouve ça très, très beau. Mais c'était un peu sentimental, ce n'était pas une révélation de l'esprit, en fait. Mais il restait une peur. Dans mon cœur, j'avais peur. Ce père, il me faisait peur. J'avais peur de lui. J'avais peur de rentrer trop dans l'intimité. Je ne pouvais pas rentrer trop dans la louange. À un moment, j'avais toujours un petit mouvement de recul. Parce que j'avais peur, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Et pour moi, il pouvait me demander des choses. Ce n'était pas possible. J'avais tellement peur qu'il me demande des choses avec des personnes. Je projetais, là encore, une vision totalement tordue du Père. Le Seigneur m'a montré après que... J'avais projeté sur Dieu, que je projetais sur Dieu ce que j'avais vécu avec des hommes quand j'étais enfant. Non, le Seigneur n'est pas un homme. Le Seigneur ne violente pas, le Seigneur n'agresse pas. Le Seigneur n'est pas un homme. Enfin, ne pas ce genre d'homme, pour être plus exact, parce que là, ça peut porter à confusion. Mais cette peur, elle était tenace. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre, c'est pour ça que tu as peur. Mais maintenant, tu n'as plus à avoir peur. Et d'avoir compris quand le Seigneur m'a montré, pourtant je savais qu'il s'était passé des choses. Mais je n'avais pas fait le lien. Je n'avais pas réalisé que le fait des abus, ça faisait que j'avais peur de Dieu. J'avais peur des hommes, ça je le savais depuis longtemps, depuis toujours. Mais qu'à cause de cela, j'avais peur de Dieu, je ne l'avais pas réalisé. Mais le Seigneur m'a montré, et le Seigneur, il veut montrer à chacun d'entre nous qui avons eu des pères qui n'ont pas pu assumer, des pères qui sont partis, des pères qui, après le divorce, sont un peu volatilisés, qui ont refait leur vie, qui ont eu d'autres enfants, qui nous ont délaissés, parce qu'il y a beaucoup de papas qui agissent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et vraiment, je ne veux pas condamner les papas. Parce que s'il y a des réactions comme ça, c'est parce qu'il y a eu tout un vécu aussi. Il y a eu tout un vécu, parce qu'on reproduit souvent ce que l'on a vécu. Même si l'on dit, moi je ne serai pas comme ça quand je serai grande. Moi quand je serai mariée, je ne ferai pas ça. Je le disais moi, moi je ne ferai pas ça. Bon. Si les chaînes ne sont pas brisées, si les malédictions ne sont pas brisées, si on n'a pas compris, si on n'a pas fait le nettoyage, ben, on reproduit, hein. On a hérité de la vaine manière de vivre de nos pères, quand on dit nos pères, c'est de nos parents, père, mère, ancêtres, grand-père, etc. Et tant que ce nettoyage n'a pas été fait, de toute façon, même si on va essayer, il y a toujours le passé qui nous rattrape. Soit le passé de nos familles, notre propre passé, les héritages de nos parents, tout ce qui a pu être fait dans le lieu secret, dans les ténèbres, ou même toutes les blessures que nos parents ont vécu, ont une incidence sur notre vie. Et souvent, on fait comme on peut. On fait avec ce que l'on est. Mais parfois, ce que l'on est, ça blesse. Et je crois que vraiment, on a tous eu des blessures. Soit que notre père était violent, soit que notre père était cassant. On ne trouvait jamais grâce à ses yeux. Il fallait toujours faire des efforts pour lui plaire, pour lui plaire, pour attirer son attention. Parce que ce père, il était... parfois, il pouvait être alcoolique. Parfois, c'est des pères incestueux. Des pères qui ne valorisent pas son enfant.
Parce que lui-même, il n'a pas été valorisé. Donc on n'est pas là pour condamner nos parents. On n'est pas là pour les condamner. Mais il est important de réaliser que tous ces travers, que tous ces mauvais comportements nous ont blessés, nous ont meurtris. Parce que si on ne le réalise pas, il ne se passera rien. Ça va toujours handicaper notre vie, ça va toujours être des freins. Et on a besoin de passer par ces différentes étapes qui sont douloureuses. Mais avec le Seigneur, quand il nous montre nos blessures, quand il nous montre que tel ou tel acte a eu un impact sur notre vie, c'est pas pour qu'on nous enfonce. C'est pas oui, ben voilà, il t'est passé ça, ben maintenant débrouille-toi. Non, c'est qu'il est là, il vient avec son amour et il vient, il nous guérit, il nous console, il nous relève et il fait un travail à l'intérieur, un travail nouveau. Ça ne se voit pas forcément, mais c'est un travail en profondeur. C'est pour ça que le travail de guérison, parfois, il est un peu long. Des fois, on a hâte de changer, ça prend du temps parce que le Seigneur, il travaille les fondations. Et il veut qu'on soit assis sur des fondations solides, sur le roc, pas sur le sable. Alors, je voudrais revenir sur le passage qu'on a lu tout au début. C'était en Galates. Donc en Galates au chapitre 4. Donc je vais relire et lire la suite du passage. Donc, Galates chapitre 4, les premiers versets. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père, Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Eh bien, j'ai réalisé que pendant des années, j'étais une esclave, en fait. Je n'étais pas une adulte. Je pensais, je raisonnais, je parlais encore comme un enfant. Parce que je n'avais pas réalisé qui était mon père. Comme on dit au départ qu'on est héritier. Il dit qu'on est héritier de tout. Mais tant qu'il est enfant, l'héritier ne diffère pas de l'esclave. Et cette position d'esclave, c'est la position dans laquelle veut nous maintenir Satan. Il nous maintient dans cette position où on est comme un esclave, alors que le Seigneur nous a tout donné, qu'il a tout accompli. Mais comme on est encore sous l'esclavage de nos mauvaises conceptions, de nos mauvais raisonnements, de nos traumatismes qui font qu'on ne connaît pas notre Père. On ne connaît pas, on connaît mal notre Père. On projette des choses sur notre Père. Et l'ennemi se sert de tout ça, de tous nos mauvais raisonnements, de toutes nos mauvaises conceptions, de tous nos traumatismes qui ont façonné l'image que nous avons de Dieu. Et il continue. Et son but, c'est que jamais on ne comprenne que Dieu est un Père. Et les religions ne parlent pas de Dieu Père. Il n'y a pas de Père. On parle de la mère de Dieu. Dans d'autres religions, c'est un Dieu tellement sévère, tellement dur. C'est certainement pas un père. Mais le Dieu de la parole, le Dieu de la Bible est le Père. Et le Seigneur veut nous sortir de cet esclavage. Il veut que nous devenions ses adultes. Il veut que nous prenions possession de notre héritage. Que nous ne soyons plus des enfants. Que nous ne soyons plus esclaves. Que nous nous sortions de cet esclavage dans lequel les traumatismes de la vie, mais aussi l'ennemi, nous a maintenus. Dans lequel il nous a maintenus. Et il y a un passage qui m'a beaucoup frappée. C'est dans l'évangile de... dans la première lettre de Jean. L'apôtre Jean dit, « Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » C'est l'esprit de l'antéchrist qui nous aveugle, qui veut nous empêcher d'être les enfants de notre Père, d'avoir cette communion, cette intimité
avec Dieu, notre Père. Il nous empêche, il aveugle notre intelligence. Il se sert de nos émotions, de nos blessures pour nous révolter contre Dieu. Combien de personnes sont révoltées contre Dieu? Il y a un passage aussi qui, en préparant ce petit message, le passage très très connu du fils prodigue qui m'est revenu en mémoire. Mais en fait, je dis, mais finalement, oui, le fils aîné, il ne connaissait pas son père. Pourtant, on va peut-être le relire, certains passages. Donc, c'était dans Luc. Donc, en Luc, au chapitre 15. Juste quelques versets. Donc, en Luc, chapitre 15, le fils aîné était dans les champs. Donc, ça veut dire qu'il travaillait. Il ne s'amusait pas dans les champs. Il travaillait dur. C'était un homme travailleur. Ce n'était pas un paresseux. C'était un homme qui avait du zèle pour la maison de son père. Il honorait son père par le travail qu'il effectuait. Donc, il était dans les champs. Donc après, il entend la musique et tout. Il apprend que son frère qui a dilapidé l'argent, qui était avec les prostituées et tout, voilà que son père organise une grande fête pour ce garçon. Il est en colère. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a travaillé. Il a respecté son père, il a honoré son père, il a pris son rôle d'aîné, de fils aîné très au sérieux. Il savait qu'il allait être l'héritier, donc il a pris les choses en main. Et donc, il dit, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau que je me réjouisse avec mes amis. Moi, voilà, après je continuerai après. Donc, on voit que lui, sa relation avec le Père, c'était de le servir. Je sers mon Père, j'obéis à ses ordres, je fais ce qu'il me demande. Et je crois que parfois, dans notre relation avec le Seigneur, on est comme ça. On doit faire ci, on doit faire ça, on doit obéir, on doit patata, tatatata, on fait toute une liste pour plaire à notre Père. On veut lui plaire, ce qui est logique, on veut plaire à notre Dieu. Mais on fait des œuvres pour lui plaire. Parce qu'on croit que pour être aimé de notre Père, il faut lui obéir, ça c'est sûr. Et il faut faire des choses pour gagner sa faveur. Parce que des fois, avec nos propres parents, on a dû faire beaucoup de choses. Et malgré qu'on faisait, ils ne faisaient pas très attention. Et la valorisation, on ne la recevait pas très souvent. Donc on pense que Dieu, c'est pareil. Il faut qu'on fasse, on fasse, on fasse. Et le fils aîné était comme ça. Et il pensait bien agir. Et certainement, il faisait de bonnes œuvres. Il avait un cœur intègre, il était droit. Mais il connaissait mal son père. Parce que lui répond son père? Il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Mais il n'avait pas compris ça. Il n'avait pas compris qu'il pourrait lui aussi tuer le veau gras, le chevreau et se réjouir avec ses amis. Il a cru qu'il était lui-même obligé de faire, de faire, de faire. Il était dans une sorte d'esclavage. Il était maintenu aussi dans une sorte de servitude parce qu'il ne connaissait pas le cœur de son père alors qu'il habitait avec lui, qu'il vivait avec lui, qu'il le servait. Mais il ne connaissait pas son cœur. Et le Seigneur ne veut pas qu'on reste maintenu dans une relation comme ça, une relation servile. C'est pas ça ce à quoi il nous appelle. Il dit qu'il nous appelle à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, mais on va être dans la communion avec notre Père, dans l'intimité avec notre Père. L'amour, c'est l'amour qui va nous motiver, pas la loi, pas le devoir, mais l'amour. Parce que quand on aime, on a envie de faire plaisir. Et c'est lui qui met ce désir en nous, ce vouloir et ce faire. C'est lui qui le fait. C'est lui qui dépose cela. Et ce n'est plus une charge lourde où tu dois faire. Je dois jeûner, je dois prier, je dois lire ma Bible, je dois évangéliser, je dois aimer, je dois servir à l'église, je dois faire ceci. Un tas de choses qui sont pesantes, qui sont lourdes et qui sont des fardeaux. Et le Seigneur ne veut pas, il a dit que son fardeau est doux et
léger. Mon fardeau est doux et léger. Donc que vraiment le Seigneur nous aide à prendre conscience de tous ces faux raisonnements, toutes ces pensées, toutes ces conceptions qui nous coupent de notre Père, qui nous coupent du cœur de Dieu. Et souvent notre cœur, il est fermé. Souvent quand on ferme son cœur, c'est parce qu'on ne veut plus avoir mal. Mais si on ferme notre cœur, l'amour du Père, il ne peut pas entrer. Et Dieu, il veut déposer son amour dans notre cœur. Il veut déposer cet amour qui libère, cet amour qui transforme, cet amour qui renouvelle, cet amour qui donne de l'espoir, cet amour qui donne la joie, qui donne la paix, malgré les circonstances. Parce que le Seigneur n'a pas dit qu'on n'allait pas souffrir, nous savons tous que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, que nous vivrons des épreuves, des douleurs, des souffrances. Mais le Seigneur, s'il met cette paix, cet amour en fait dans notre cœur, tout prend une autre dimension. Tout prend une autre dimension. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu la dernière fois, peut-être que vous trouvez ça un peu répétitif, c'est Michel qui m'a demandé. Hein. Donc j'ai obéi à Michel. Il m'a dit de parler du Père. Quand j'étais plus jeune encore, j'allais dans une église baptiste, j'étais bien dans cette église, et il y avait plusieurs frères africains. Et quand ils priaient, ils disaient « papa ». Moi, je trouvais ça, mais « papa ». Ils disaient « papa », ils disaient pas « mon père », ils disaient « papa ». Ah ouais, papa, je trouvais ça un peu... Moi, j'avais une attitude de mépris, pour moi, c'était ridicule, en fait. D'appeler Dieu papa. C'est moi qui étais ridicule en fait. Mais c'est ce à quoi le Seigneur veut nous amener. Et le Seigneur a fini par m'amener à cette dimension où j'ai pu commencer à l'appeler papa. Wow, mais j'ai jamais appelé personne papa. Donc papa, waouh. Mais oui, Dieu est un papa. Dieu est un papa. Et on va lire les quelques passages donc où Dieu est appelé papa dans le Nouveau Testament. Parce que dans la majorité des passages, c'est traduit par pater, donc en grec. Et là, il y a trois passages où on parle de Dieu comme Abba. Abba, donc papa, l'équivalent en araméen, Abba. Alors, donc on peut lire en Romains 8, 15, on l'a déjà lu, mais on peut le relire. On peut le relire en vraiment le proclamant aussi. C'est vraiment une proclamation. Donc Romains 8, 15. Pour ceux qui veulent prendre leur Bible. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc nous bannissons la crainte de nos cœurs. Nous bannissons la peur. Dieu n'est pas un père fouettard comme on l'a pu le dépeindre. Dieu n'est pas un tyran. Dieu est un père. Il n'est pas seulement un père, il est notre papa. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Donc il nous a adoptés, nous faisons partie de sa famille. Nous qui étions loin, qui étions éloignés, qui ne faisions pas partie de son peuple, il nous a adoptés. Et par cet esprit d'adoption, c'est écrit que par l'esprit d'adoption, nous crions Abba Père, Abba Père. Que ce soit notre cri, Abba Père. Oui papa, je t'accepte, tu es mon Père. Abba Père, Abba Père, je me sors de l'esclavage. Je n'ai pas reçu un esprit d'esclavage, mais un esprit d'adoption. Je ne suis plus sous ce joug. Je ne suis plus sous ce joug et je le refuse, ce joug. Parce que nous aussi, nous devons prendre des décisions. On constate qu'on est sous un joug, mais il faut après prendre la décision. Je refuse cela. Je me retire de ce joug. Je renonce à toutes ces fausses conceptions, toutes ces fausses pensées, toutes ces projections sur Dieu. J'y renonce et j'accepte
d'être aimé de mon papa. Et ça, c'est... Il faut accepter de recevoir l'amour du Père. Accepter d'être aimé par Dieu. Accepter d'être aimé par notre papa, par votre papa. Que chacun... Parce qu'il est le papa de chacun. Pas le papa de tous, mais le papa de chacun personnellement. Et il y a un autre... Un dernier passage, parce qu'en Galates, on l'a déjà lu. Oh, on va quand même le relire, la fin de Galates, au verset, donc toujours 4, verset 7. 6 et 7. Or, non, et parce que vous êtes fils, donc fils et fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit du Dieu vivant, l'Esprit Saint. Et cet esprit, lequel crie « Abba, Abba Père, Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Donc, tu ne raisonnes plus comme un enfant, tu ne penses plus comme un enfant, tu ne parles plus comme un enfant, mais tu parles comme un fils qui sait quel est son héritage, qui connaît sa position, qui sait qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes, qu'il sait que son Père lui a tout donné, qu'il sait que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha, qu'il sait qu'il peut vivre une vie de liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et un dernier passage où, une fois, dans les évangiles, Jésus crie « Abba, Père », une fois. Alors peut-être, c'est relaté qu'une fois, hein. C'est relaté qu'une fois, puisque l'apôtre Jean dit que tous les livres du monde, enfin on ne pourrait pas, tous les livres du monde, je ne sais plus textuellement mot pour mot, mais tous les livres ne suffiraient pas pour relater, retranscrire toutes les paroles, tous les actes, tout ce que Jésus a fait. Mais en tout cas, il est relaté qu'une fois dans l'évangile de Marc, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané, et où là il est pris par par des souffrances qu'on ne peut pas imaginer. Il est étreint par une angoisse que personne ne pourra jamais vivre, que personne ne vivra. Et là, Jésus crie « Abba, Père !» Abba, Père. C'est un cri comme un cri qui a déchiré le ciel. Un cri de désespoir, comme quand un enfant crie « Sauve-moi, Père, Papa, Papa !» Là, Jésus a crié « Abba, Abba, Père !» Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc vraiment, le Seigneur s'était crié « Abba, Abba ». Et il veut, il nous donne un modèle que lorsqu'on est dans des souffrances comme ça, si profondes, il n'y a personne qui peut nous comprendre. Personne ne connaît notre cœur comme lui. De crier, d'émettre ce cri « Papa ». Abba, 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 Abba. Peut-être qu'on peut maintenant prendre un temps pour dans le silence et après pour prier. Tu vas arrêter là, je n'ai pas à peine de continuer plus loin. Je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels il faudrait que l'on prie, déjà qu'on demande pardon au Seigneur parce que on a, par toutes les mauvaises conceptions qu'on a de lui, on lui a pas rendu l'honneur qui lui est dû, comme c'est écrit en Malachie. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Comme nous devons honorer nos parents, nous devons honorer notre Dieu qui est père. Je crois qu'on doit demander pardon pour ça, parce qu'on a, on n'a pas honoré notre Seigneur, parce qu'on l'a accusé, souvent à tort, d'être comme ci, d'être comme ça. Peut-être pas directement, mais implicitement, ça voulait dire « Ah, tu es comme ça, finalement. » Parce qu'on a projeté sur Dieu,
On a eu des faux raisonnements et il faut vraiment que l'on prie pour que le Seigneur y renverse ces forteresses. Corinthiens parle des forteresses de pensée, des hauteurs, des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et c'est ce genre de raisonnements qui sont des murailles, qui sont des forteresses dans nos vies et qui nous empêchent de connaître le cœur du Père. Je crois qu'on doit vraiment prier pour demander pardon pour cela. Et aussi demander pardon pour nos pères qui ont été défaillants. Parce que la parole nous demande de demander pardon pour les péchés de nos pères. On va se dire, oh non, moi j'ai pas envie. Mais c'est une prière qui nous libère. Ça libère la personne, mais en priorité, ça nous libère, nous, de demander. Oui, je te demande pardon, Seigneur, pour mon père, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il n'a pas fait. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, aussi, parce que moi, j'ai répondu de manière, face à ces douleurs. Moi aussi, j'ai eu des comportements tordus. Moi aussi, j'ai blessé. Moi aussi, j'ai fait du mal. On a eu des réponses mauvaises aussi. Donc, nous ne sommes pas mieux que nos pères. Nous ne valons pas mieux que nos pères. Et pour ceux qui savent qu'ils ont encore à pardonner à leur père, que le Seigneur les aide, parce que c'est une démarche difficile. Des fois, la douleur, elle est tellement grande que les pardons se font par paliers. Petit à petit, on réalise, il s'est passé ça. D'accord, je pardonne pour ça. Et après, on se dit, ah, mais encore, j'ai encore de la colère. Certainement parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore réalisées. Et il faudra à nouveau... Oui, d'accord, j'accepte, je pardonne ça. Et j'aimais beaucoup ce que nous avait dit notre frère Jude à plusieurs reprises. C'était vraiment un enseignement qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup percuté. C'est qu'il ne faut pas attendre de le ressentir. Ce n'est pas une émotion, le pardon. Ce n'est pas une émotion comme ça, qui plane. Moi, je la ressens, moi, je ne la ressens pas. Non, c'est une décision du cœur. Une décision de l'intelligence, même, je devrais dire. Je décide. Je ne le ressens pas, je n'ai pas très envie, mais par obéissance, Seigneur, je vais le faire. Pas par obéissance pour mon Dieu. Et cette obéissance, elle est libératrice. Même si je ne le ressens pas, certainement je vais devoir répéter, Seigneur, je te demande, je pardonne à mon Père pour ce qu'il a fait, je lui pardonne. Je n'ai pas très envie, je suis encore en colère, mais je choisis de lui pardonner, de me libérer. Ce n'est pas pour libérer le coupable. Parce que parfois, j'ai entendu des témoignages où des personnes avaient vécu des choses terribles. Elle lui dit, allez, pardonne, 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 pardonne. Et c'était, on avait plus de compassion pour le coupable que pour la victime. Non, il faut rester juste. Non, c'est Dieu qui s'occupe du coupable. C'est sûr que le Seigneur appelle à pardonner, mais il faut qu'on soit prudent quand on dit pardonne, pardonne. Si on avait été à la place de la personne, on aurait eu peut-être des réactions bien plus violentes que celles que certaines peuvent manifester. Et je crois qu'il faut qu'on demande au Seigneur de renverser ces forteresses, comme j'ai déjà dit, et qu'on demande au Seigneur d'ouvrir notre cœur, d'être disposé. Parce que quand on a été blessé, on n'est pas disposé. C'est normal, c'est une réaction de défense. C'est juste naturel, on se protège. Mais que le Seigneur vraiment nous donne le désir, nous donne la volonté vraiment d'accepter son amour. De dire vraiment, mais Seigneur, d'accord, je me suis trompée sur toi, je n'ai pas reçu ton amour, j'ai fermé mon cœur, mais je choisis d'accepter ton amour. Je choisis de recevoir ton amour dans mon cœur. Je le décide. Je ne veux plus te mettre un frein. Je ne veux plus te fermer la porte. Je veux recevoir cet amour dans mon cœur. Je veux te laisser me guérir. Je veux te laisser remplir mon cœur de ton amour. Je veux te laisser m'aimer. Parce que quand on n'a pas été aimé, souvent, les personnes qui n'ont pas été aimées, les marques d'affection, on voit qu'elles sont rétives comme ça, elles sont mal à l'aise. Lâche-moi, j'ai pas envie que tu me touches. Parce que ça les met très mal à l'aise. Parce qu'ils se sentent indignes de cet amour.
Ils n'ont pas eu d'amour. Donc quand on n'a pas eu d'amour, souvent on se sent indigne. On se sent nul, on se sent mauvais, enfin on se sent médiocre, on se sent indigne. C'est normal que finalement personne ne nous aime. Et puis après on reproduit, on se met dans des situations où les gens ne nous aiment. Voilà, bon bref, là je suis en train de dévier. Mais voilà, que l'on prenne un temps et après, juste je te laisse la parole si tu veux. Si on peut prendre un temps vraiment dans le silence, dans le secret de nos cœurs, que vraiment notre Dieu prenne le contrôle et qu'il fasse son œuvre et qu'il guérisse là où il veut guérir, qu'il délivre là où il veut délivrer, qu'il révèle les blessures cachées, qu'il révèle. C'est pas pour exposer les personnes, non. C'est le Seigneur qui révèle, et quand il révèle, c'est parce qu'il veut guérir et qu'il veut faire une œuvre à sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.